Voilà pourquoi elle ne saurait retrouver la paix intérieure si à jamais elle ne retrouve pas, ne serait-ce que la dépouille de son fils, qui était ton frère aîné. Mais mes esprits me disent qu'il est encore en vie. Il est très loin d'ici. Mais un jour, il vous reviendra. Encore une question? Non, grand-mère. Tu peux partir. Merci, grand-mère. Princesse Terre. Oui, princesse Lydie. Nous sommes toutes seules en train de travailler au champ. Après, reine Charabutu viendra demander quelques épis de maïs à maman pour aller manger avec cette tenue. Et pourtant, elle la garde toute seule à la maison. C'est à peine qu'elle a commission. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de se tailler les ongles. Princesse Lydie, pire encore, elle se prend pour la fille chérie du roi. Et pourtant, nous sommes aussi les princesses de ce village. T'inquiète, le jour qu'elle franchira mes 5 m50, elle verra de quel bois est-ce que je me chauffe. Ne te dérange pas, continuons à travailler. Jenny. Es-tu malade? Je ne suis pas malade, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais chez le grand maître. Le grand maître spirituel. Et Zaboto, bien dit. Est-ce vrai que j'ai eu un frère aîné? Dis-moi que c'est pas vrai, maman. Dis-moi que c'est pas la vérité, maman. C'est vrai. Non, maman. C'est vrai, ma princesse. Il s'appelait Kakumbo. Ça fait des lunes que je cherche ton frère, mais sans jamais le trouver. Je souffre.
frère, princesse. Maman, maman. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine envers un enfant qui n'a pas demandé à naître? Pourquoi, mère? Viens dans mes bras. Pourquoi tout ça, bras. Maman? Pourquoi? Maman, je ne sais pas, ma fille. Écoute, maman. Je ne vais pas en rester là. Je ne vais pas en rester là, maman. Femme, ton regard n'augure rien de bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Père, j'étais chez le grand maître spirituel. Et que t'a-t-il dit pour que tu sois aussi remonté dans cette cour? Il m'a raconté tout ce que tu as fait à mon frère aîné. Pourquoi tant de haine, papa? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine envers un petit enfant qui n'a pas demandé à naître? Tu n'es qu'un assassin! Un usurpateur! Hey, hey, s'il te plaît! Tu es le fruit de mes entrailles. Mais tu ne quittes pas ces lieux. Je ne répondrai de rien. Quitte cette cour. Vous n'êtes qu'une bande d'assassins. Vous n'êtes qu'un collège d'assassins sans foi ni loi. Pas d'ici. Quitte cette cour. Sinon, pas d'ici. Écoute, père. Moi, Jenny, fille de Charabutu, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta fille. Je ne suis plus ta fille, comme je te dis. On dirait que le monde a changé. La préférée de papa
On va à la rivière. Vous vous adressez à qui comme ça? Est-ce interdit que moi j'aille chercher de l'eau? Sinon. Sinon quoi? Fais-le ma soeur! Fais-le! Fais-le ma soeur! Fais-le! Personne ne bouge, tout le monde ici. Hey, viens ici. Tout le monde ici, personne ne bouge. Merde. C'est quoi ça? Viens ici. Ça ne doit pas finir comme ça. T'as tapé ma soeur, tu ne voyais pas tout ça. La chefferie, c'est le courant. Je dois aller à la chefferie avec. Non, s'il te plaît, pas au chef. S'il te plaît. Si le chef est au courant, il doit blâmer ma mère. Parce que j'encourage ce que vous faites là. S'il te plaît, ne pas, s'il te plaît. Il y a concertation à la chefferie ce soir. C'est ça qui sera la une. S'il te plaît. À une condition. À une condition. À une condition. Mais où m'amènes-tu? J'espère que ces filles-là ne t'ont pas fait du mal. Où m'amènes-tu? Elles ne m'ont pas fait du mal. Où? Regarde ce qu'elles m'ont fait. Ça, ce n'est pas possible. Regarde. Ouais, ces filles t'ont vraiment blessé. Regarde ce qu'elles ont fait de mon joli corps. Mais notable, qu'as-tu fait? Ça c'est quel machin n'est pas. Si tu sortais aussitôt. Princesse, vraiment ne bagarrez plus, hein. Que ça soit la dernière fois. Donc on doit rater le planting. Ouais, dis-toi. Regardez ce qu'elles ont fait de moi. Ils sont toutes méchantes comme si elles ne mangeaient même pas de. Mes chers notables, je n'arrive pas à croire que le soleil se étant déjà au zénith, le grand vigneron du roi n'est pas encore là. Que c'est pas majesté. Soyons un tout petit peu patients. Majesté, vous avez demandé à me voir. Tita, en effet, j'ai demandé à te voir. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai une tâche importante à te confier. Tita, comment ça? Pourquoi tu penses ça? Je veux chercher un peu d'eau. Ok, ça tombe bien. Je n'ai rien à faire. Nous irons ensemble.
Princesse, y a-t-il un problème? Non, 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 non. Rien. Y a rien. Rien ne se passe pas. Allons à la maison. D'où viens-tu? Que fais-tu dans le village, Bakap? Et que fais-tu habillé comme ça? Oui. Une question à la fois. Je suis un enfant. À comme les autres. Je viens du village voisin. Je n'ai pas connu mon papa. C'est une très longue histoire. Mais en passant, qui es-tu, jolie demoiselle? N'as-tu rien remarqué? Non. Observe-moi tout simplement. Regarde-moi bien. Je ne vois rien. D'accord. Je vais me présenter. Moi, je suis Jenny, la plus belle fille du roi de ce royaume. Bien qu'en te voyant, j'ai l'impression que... des villageois qui vont au marigot. Nous n'avons pas terminé notre conversation. Je reviendrai te chercher. Yeah.